tu nous regardes et que tu regardes ce monde, comment tu ne peux pas réaliser qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de le faire? Comment tu ne peux pas réaliser qu'il y a un scientifique, un savant, alléluia, un sage, un géographe, un médecin, un vétérinaire? Il est tout en même temps. Comment tu ne peux pas imaginer que un archéologue a pris ce temps-là de façonner tout? Je suis allé taper sur Internet pour dire comment le monde a été créé. Les gens disent, la terre s'est formée à partir d'un gros nuage de poussière, de roches, de métal, de gaz. J'ai envie de rire. Des gens qui se disent sages, dont la poussière vient, et puis ça crée les animaux avec autant de perfection, autant de beauté. Ça crée l'équilibre. Vous savez que la terre est ronde. On est dessus, on ne tombe pas. Comment quelqu'un a pu harmoniser ça? Comment quand toi-même tu images ta main, tes pensées, ton corps? Quand tu es malade, il y a des choses en toi qui combattent la maladie. Mais qui a fait ça? Mais regardez la logique. Quand vous lisez le Genèse, mais c'est tellement bien calibré. Parfait. Avec précision.